Poursuivant sa visite de courtoisie dans les services déconcentrés de l'État relevant de sa circonscription, le gouverneur de la province de Wadi Fira, le général Ayoub Abdelkrim Abdoulaye, s'est rendu successivement à la délégation de la jeunesse et sport, à l'hôtel moderne 3 étoiles de Biltine, la douane, l'Office national de la promotion de l'emploi, ONAPE, la Société nationale d'électricité, SNE, et la Société tchadienne des eaux, STE. Partout où il est passé, les responsables de ces institutions visitées se sont permis pour présenter leurs doléances. Pour la douane et la délégation de la jeunesse et sport, leur souci majeur en est le manque de personnel qualifié et de matériel. Les non-remboursements des crédits contractés par les associations est l'une des difficultés de l'ONAPE. Les non-paiements des factures d'eau par leurs abonnés et la nécessité de multiplier les puits d'eau pour subvenir aux besoins de la population en ce qui concerne la STE. S'agissant de la SNE, l'extension du réseau d'électricité et le refus de paiement des factures par les consommateurs en sont les problèmes. Soucieux des bons fonctionnements de ces institutions, le premier magistrat du Wadi Fira, le général Ayoub Abdelkrim Abdoulaye, a promis transmettre leurs doléances à qui de droit.